L'équipe de France vient récupérer, donc ils vont bénéficier à la fois de cryothérapie. Ils viennent ensuite donc faire de l'hydrojet et ensuite ils vont passer en balnéothérapie. Donc là, on va faire ce qu'on appelle du contraste cooling. Pendant 3 minutes à moins 110 degrés. Les gars, ne pleurez pas, les gars. Et moins de 20 secondes. Cette journée a un réel impact, la récupération c'est très important, on a eu deux matchs en trois jours, donc on a besoin de récupérer un petit peu, sachant que demain on a une journée d'ajustement avant d'enchaîner mercredi, premier match de la compétition. Je pense qu'on a beaucoup travaillé, mais on a peu de temps, donc on essaie de rentabiliser tout ça, sans en faire trop pour ne pas les amener justement à la rupture. Je sais aujourd'hui tout le bénéfice qu'on peut en tirer. Je crois que là, nous, on est à double titre ici. D'abord pour de la récupération, parce que ces joueurs-là sortent d'une phase de préparation très lourde. Venir un peu gérer les petits bobos, les investigations sur les choses qui pourraient devenir des contraintes en cours de compétition. Donc, c'est vrai que le bénéfice bénéficiaire pour nous, c'est que sur un même périmètre, tout ce qui est médical et récupération va être une étape intéressante.